Bonjour et bienvenue dans notre émission Inspiration. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de parler des plantes taillées en Iwaki. Et pour cela, on va rencontrer Yves Brenelière qui donne ce mouvement aux plantes et qui est absolument extraordinaire. Allez, assez parlé, allons rencontrer Yves. Yves, bonjour. Bonjour Pascal. Un grand merci de nous recevoir. C'est vraiment un vrai plaisir de rencontrer l'architecte de telles plantes, de tel mouvement que tu réussis à mettre dans les plantes. Alors, ton art, c'est le Niwaki, cette fameuse taille que l'on appelle l'arbre, alors l'arbre en mouvement, mais l'arbre jardin. Mmh. C'est-à-dire que de faire en sorte que dans ce mouvement que tu donnes aux arbres, on recrée un mini jardin. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de te rencontrer pour que tu nous expliques cet art que l'on peut reproduire quand même chez nous, que tout le monde peut reproduire. Mais après, il y a quelques petites clés. Et je voudrais que tu nous expliques toutes ces petites clés pour faire en sorte que tout le monde réussisse à façonner des plantes comme ça dans son jardin, parce que tous nos jardins deviennent petits et compacts, donc on est vraiment dans cette mouvance et que c'est parfait. Donc voilà, si tu peux nous expliquer, si tu peux nous dire déjà toi ta philosophie derrière le Niwaki, ce qui t'a amené à aller vers cette façon de travailler les plantes. Merci Pascal, plaisir. C'est un grand plaisir pour moi aussi de m'exprimer dans ce domaine qui est très mal connu. Exact. Alors donc je suis pépiniériste ici depuis 1976. Donc ça fait bientôt 47 ans. Alors on est à Machecoul, sud de Nantes. Oui, sud de Nantes, près de la Vendée. Près de la Vendée, sud-ouest de Nantes. Voilà, donc je suis passionné par les plantes depuis mon plus jeune âge. Ouais. Je suis né ici et quand j'étais petit, jeune, je me promenais long des haies naturelles et j'observais les arbres, d'accord, les arbustes et les arbres creux qui me faisaient un petit peu rêver. D'accord. Et je regardais aussi, évidemment, les arbres vieillissants. Et puis, je me suis fait un petit peu une idée de la nature. Voilà, petit à petit, l'empreinte s'est installée en moi. D'accord. L'empreinte de la nature. Où ça s'est révélé le plus fort, c'est à partir de mes 18 ans. Où là, j'ai ressenti des forces naturelles, difficiles à expliquer, mais qui m'ont un petit peu poussé vers un métier de nature. Je ne savais pas encore que je serais pépiniériste. J'aurais pu être paysagiste. Mm-hmm. Mais comme je suis un anxieux de nature, je voulais du calme. Et c'est à travers la pépinière que j'ai trouvé le plus de calme, de sérénité. D'accord. Donc calme parce que tu vois les plantes pousser. Oui, parce qu'on prend le temps. Le paysagiste, il est lié au temps et il faut toujours qu'il se dépêche pour finir un chantier et tout. Et, pour en entamer un autre. Ouais. Et ça me faisait peur. Mais par contre, j'ai fait ce métier-là pendant 3 ans. D'accord. Donc, de 1971 à 1974. D'accord. Donc voilà, tu te mets à la pépinière, tu produis des plantes, et à un moment donné, il y en a quelques-unes que tu laisses pousser. Et puis de là, tu te dis, oh, si je les formais... Alors, c'est pas venu d'un seul coup comme ça. C'est venu petit à petit. Donc, j'étais pépiniériste, je produisais des arbustes pour les particuliers. J'ai fait ce métier donc pendant 37 ans. Et en même temps, dans les années 80, j'ai commencé à faire des bonsaïs. Je faisais ça dans des petites terrines à pâté, parce que les pots à bonsaïs coûtaient cher. Ouais. Et je n'avais pas des bonsaïs de grande qualité. Hein. Mm-hmm. Quand je vois actuellement sur les réseaux sociaux des bonsaïs extraordinaires, je ne les envie pas. J'admire simplement ce qu'ils font aujourd'hui. En matière de bonsaï en France, c'est extraordinaire. On n'a rien à envier aux Japonais. Mmh. Alors, en produisant mes arbustes et mes plantes de haies, tout ça, pour mes clients, j'avais mon petit carré bonsaï. Et là, je sentais que ça me procurait beaucoup d'énergie. Et j'ai senti, après cet appel, le Niwaki est venu parce que j'observais dans la nature, dans les montagnes, j'observais des pins qui mesuraient... notamment des pins sylvestres qui mesuraient 4-5 mètres de haut, mais qui faisaient 7-8 mètres de large, et qui étaient tout décharnés, qui souffraient bien sûr, mais qui en même temps étaient vivants, étaient très, très puissants, très forts. Et je trouvais ça merveilleux. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas avoir ça dans nos jardins à nous? D'accord. Pourquoi pas mettre ces arbres qui sont pas très hauts, qui correspondent aux jardins de notre époque. Mmh. Parce que bon, dans les années 80, je vendais beaucoup de cèdres, de grands pins aussi pour les jardins. Mais après, on a appris que les jardins étant
de plus en plus petit, il fallait s'adapter. Donc c'est là que j'ai petit à petit eu l'instinct de naturellement de me diriger vers ce qu'on appelle le Niwaki. Niwaki, donc pourquoi ce terme? Parce que ce sont les Japonais qui le pratiquent depuis des millénaires. Mais je ne voulais pas pratiquer le Niwaki comme les Japonais. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est trop stéréotypé, c'est trop... J'aimais pas cette formalité qui m'oppressait. D'accord. Je voulais que ce soit plus libre. D'accord. Et en fait, ce n'est pas moi qui dirige mes armes, ce sont presque eux qui me dirigent. Oui, c'est ça. Et après, pour les diriger, un petit peu quand même. Ouais. Donc, c'est parce que c'est le cauvillon. Déjà, effectivement, la nuance Niwaki Bonsai, l'un est en peau, l'autre est en pleine terre. Normalement, oui. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors là, vous verrez ici dans ce jardin qui est un jardin d'exposition, ouais. Vous verrez des grands pins en pot qui peuvent être mis en pleine terre et ça, ce seront des Niwaki quand ils sont en terre. C'est ça. C'est ça. Là, en pot, bon, c'est pour la présentation, c'est comme dans un écrin, on peut les déplacer, on peut éventuellement les vendre à des clients. Mais normalement, le Niwaki, c'est en terre. D'accord. Alors, une petite nuance que tu mentionnais, effectivement, les Japonais ont une tendance à guider une plante pour vraiment la forcer à prendre un mouvement qu'on attend, parce que soit c'est dans un temps, soit c'est pour refléter une force. Que là, toi, en fait, tu observes les plantes et c'est selon la tendance que tu ressens de la plante que tu la guides ou tu la contrôles, tu la tailles pour qu'elle suive le mouvement qu'elle a naturellement. En fait, j'ai beaucoup moins de codes que les Japonais. Les Japonais ont beaucoup de codes. Ce qui évite certainement des erreurs, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je voulais que le Niwaki, enfin l'arbre taillé, moi j'appelle ça l'arbre en mouvement, soit à la portée de tout le monde. Et donc j'ai réduit les codes, c'est-à-dire les codes que j'ai ressentis, c'est d'abord la première chose, c'est la force, c'est-à-dire la grosseur du tronc, l'ancrage au sol, c'est-à-dire les racines apparentes, comme on peut voir ici. Donc la force, ensuite le mouvement. Très important, le mouvement. Le mouvement, c'est le contraire, évidemment, de la rigidité, de la droiture. Hein. Ouais. Et s'il y a du mouvement, il faut de l'équilibre. Donc, je dis toujours, c'est un petit peu comme une danseuse ou un danseur. Ouais. Vous voyez, c'est ça. D'accord. Force, mouvement, équilibre. Et ensuite, une harmonie d'ensemble. C'est quatre choses importantes. Force, mouvement, équilibre et harmonie. Alors après, il y a d'autres paramètres, d'autres codes qui entrent en jeu. C'est la transparence. La transparence permet à la fois de visionner le pin, de voir les différents plateaux, de voir les brindilles, de voir les branches et de voir son tronc. Mm-hmm. On peut normalement tout voir de l'arbre. Hein. Les brindilles, les branches et le tronc sont tout aussi importants que le feuillage. Si on a trop de feuillage, il y a trop de compacité, on ne voit pas les brindilles, on ne voit pas les branches et on ne voit pas le tronc. En fait, il y a un cheminement qui part de la base, qui part de l'ancrage au sol, qui s'élève en mouvement, comme une danse, qui se distribue par les branches, par les brindilles, pour finir par le feuillage. D'accord. Mais tout est important. Donc, dans le rythme, ça veut dire qu'on a d'abord observé une plante dans la nature ou dans son pot, on l'a guidée pour lui donner une forme, et après, on l'éclaircit pour qu'elle donne cette approche de transparence. Quels sont les rythmes, en fait? Comment est-ce que tu vas commencer? Je suis ici, d'ailleurs. Comment est-ce que tu as commencé? Tu l'as formé, enfin, tu lui as mis des tuteurs, tu as mis des guides, et avant de parler de feuillage, avant de parler de transparence. Ouais. Donc, très important, c'est une très, très bonne question, puisque, évidemment, ce pin n'a pas été cultivé dans ce pot. Hein. Il est là juste pour la présentation, et puis... On est dans un cadre ici agréable et il faut bien présenter mes arbres. Ce pin sylvestre a 23 ans. 23 ans, c'est précis. Donc évidemment, il y a 23 ans, il était, on va dire, allez, il a peut-être 24 ans ou 25 ans, il était gros comme mon petit doigt quand je l'ai mis en terre, dans un champ. Alors évidemment, je ne savais pas qu'il serait comme ça 23 ans après. Bien sûr. Je n'ai pas cherché à ce qu'il soit comme ça. D'accord. C'est au départ, on le laisse pousser les premières années, et puis quelques années plus tard, on commence à créer un mouvement. Pas forcément un mouvement trop prononcé, comme là vous voyez, c'est un mouvement assez en douceur. Ça veut dire que c'est au bout de 4-5 ans, ça? Oui, par exemple, oui.
Alors là, les premiers, je faisais comme ça, je mettais quatre piquets solidement plantés autour, et je tirais avec des cordes, évidemment sans le blesser, sans quoi que ce soit. Donc là, on imagine qu'on est ici, et il y avait les piquets qui étaient là, et tu avais des cordes qui l'emmenaient. C'est ça. Tu le ceinturais comme ça, et voilà. Dire, prends ce mouvement. Tu resserrais les cordes régulièrement ou Non, mais je donnais simplement un mouvement au départ, la première année. D'accord. Et puis, l'année suivante, je donnais un autre mouvement dans un autre sens, ou peut-être en spirale, comme on le sent. Et il n'est pas question de taille les premières années. D'accord, c'est ça. Oublions la taille. On laisse la plante. Ça, c'est le piège de l'amateur qui voudrait un résultat tout de suite. D'accord. Si on veut réussir un bel arbre taillé en mouvement, il ne faut pas vouloir avoir un résultat tout de suite. Mmh. Il faut prendre le temps. On sait qu'on est parti pour 20 ans ou plus. Oui. Ouais. En fait, ce n'est pas... ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Oui. C'est le cheminement de l'arbre qui est intéressant. Parce qu'on le voit évoluer tout, d'année en année. Donc, au départ, je ne vous ai pas dit, mais au départ, vous avez toutes les branches basses qui sont là, qui ont disparu depuis quelques années quand même. Mais c'est ça, elles étaient là, tu les as taillées ou c'est qu'elles ont... Elles ne sont pas tombées toutes seules. Alors, dans la nature, oui, elles tombent toutes seules. Ouais. Pourquoi ? Parce que tous les arbres dans la nature font du bois mort. Ouais. Une branche qui superpose une autre branche, donc la branche qui est inférieure, qui est en dessous, est à l'ombre. Et comme les arbres ne supportent pas l'ombre, encore moins les pins, la branche périclite et meurt. Mmh. Et puis après, au bout de quelques années, finit par tomber. Ouais. Donc vous voyez, les branches qui étaient en dessous, dans un arbre, dans la nature, meurent parce qu'elles sont à l'ombre de celle-ci. Sauf que les premières années, nous, on a besoin de laisser pousser les branches. Pourquoi ? Parce qu'on a envie que le tronc grossisse. Et ce sont toujours les branches basses qui font grossir le tronc. D'accord. Il y a l'appel de sève. Le mouvement, attention, le mouvement de l'arbre plus les branches basses font grossir le tronc. Les deux rajoutés. Hein. D'accord. Plus on fait un mouvement à un arbre et qu'on laisse les branches, plus le tronc grossit. D'accord. Ouais. Passionnant. Ceux qui font du bonsaï, ils vont me comprendre. Ouais. Et donc après, on choisit quand même une hauteur où on se dit, bah là, c'est la hauteur que je définis. Donc là, si j'étais sur le pot, on serait à 2,50 m à peu près. Alors, au début, on ne s'occupe pas trop de la hauteur. Hein. D'accord. Je vous dis, je rappelle toujours une chose. Dans ma vision des choses, ce n'est pas moi qui conduis l'arbre, c'est l'arbre qui me conduit. Même si moi, j'interviens à certains moments, c'est par l'observation que je me dis que l'année suivante, tiens, je ferais bien de donner le mouvement dans ce sens-là. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit sur le papier. Ouais. Je me laisse conduire par l'arbre. Donc là, je vais trop vite. À chercher, trouver une fin. Et là... C'est le chemin qui compte, ce n'est pas le but. Ouais. Je ne connais pas le but de cet arbre. Ouais, d'accord. Ça veut dire pour toi, il peut encore se développer. Il peut s'élargir, la tête va s'élargir. Ouais. Je ne pense pas que je vais chercher à le faire monter. Je vais plutôt chercher à faire élargir la tête. Donc ça veut dire que là, quand même, il y a à un moment donné, la dernière branche, la dernière flèche, hop, tu la contrôles par la taille. Alors, on revient un petit peu en arrière parce que on a toujours des branches basses et on a commencé le mouvement. Tous les ans, on rajoute un peu de mouvement, peut-être avec des bâtons, avec des cordes. Hein. Moi, j'utilise beaucoup les cordes. Mm-hmm. Ça m'arrive d'attacher des branches pour les tirer vers le bas. Ouais. Parce que j'aime bien ces mouvements, vous voyez, les courbes comme ça. J'aime beaucoup ça. Ouais. On ne voit pas trop ça au Japon. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression. Hein. Ouais. Mais moi, j'aime bien ces mouvements tout en douceur, à la base, à l'aisselle, vous voyez, de la branche par rapport au tronc. Ouais. J'aime bien quand c'est tourné vers le bas comme ça, parce que ça apporte beaucoup de douceur à l'arbre. Donc ça, c'est par du cordage ou... C'est par des cordes, oui. Voilà. Alors, on attache une corde. Moi, je mets des cordes noires, vous en verrez dans le jardin. Je mets des cordes noires en plastique parce que ça ne se voit pratiquement pas. Et on tend, comme le pin est un caoutchouc, hein, vous voyez. C'est vache. J'ai l'impression que j'aurais plus peur de le casser. Non, c'est du caoutchouc. Là, il y a un seul plateau. Je veux faire un second plateau. Je fais un petit nœud de chaise.
je laisse un petit battement et je vais chercher un support, ça peut être une racine ou autre. Je referme mon outil pour me blesser. Là, on revient ici. Tu te mettras à l'extérieur aussi pour voir. Je fais comme un nouveau plateau là, vous voyez, un micro-plateau. J'ai un plateau ici, un autre plateau là. J'attache donc pendant un an cette petite brindille. Ensuite, au printemps prochain, les nouvelles pousses vont s'élever, si au mois d'avril. Oui. Je vais tailler au mois de mai ici et je fais un second plateau. Un, deux. Ce plateau-là doit toujours être à l'extérieur de celui qui est au-dessus là, qui est le plus haut. Ouais. D'accord ? S'il est à l'intérieur, il ne faut pas le faire. C'est de l'ombre et il va mourir. Et voilà. Donc on ouvre les plantes, on les force, on les emmène pour amener de la transparence. Ce sont des arbres de lumière. Il faut qu'ils soient éclairés de partout, qu'ils soient éclairés non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. D'accord. Et quelle est la recherche? Pourquoi à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une symbolique derrière ça? Moi, je ne cherche pas forcément les symboliques. Les codes japonais, je ne les connais pas. Je suis ignorant par rapport à ce qui se passe au Japon. J'essaye d'intégrer tout ce que j'apprends au fur et à mesure des années, depuis que j'ai commencé. Et je me suis aperçu quand même que quand il y a le soleil qui éclaire le tronc, c'est quand même plus agréable quand il est... Alors, par rapport à ça, par rapport à la transparence, je prends souvent une analogie. C'est que quand on arrive dans une forêt où les arbres sont très serrés les uns contre les autres, on n'a pas envie de la pénétrer. C'est très oppressant. Par contre, si vous avez un arbre qui mesure 40 mètres de haut et il y a un arbre tous les 20-30 mètres et qu'il y a des belles fougères à la base, vous avez envie de traverser les fougères. Donc la lumière, c'est la chose la plus importante dans l'art du Niwaki. Donc l'arbre doit être transparent. Et en plus de ça, une chose très importante que j'ai remarquée avec le temps, c'est que quand on prend un petit peu de recul, l'arbre, il est présent. Et en même temps, quand on regarde au-delà de lui, on regarde la haie derrière ou les bambous, l'arbre, on le voit évidemment flou. On ne peut pas voir deux images nettes et floues. Ou on regarde le bambou, on le voit net, ou on regarde l'arbre, on voit les bambous flous. Et cette superposition d'images repose le cerveau. J'ai remarqué que ça me reposait. D'accord. C'est incroyable, ça. Ouais. C'est une chose qu'on m'a jamais appris. Ouais. Mais simplement, comme ça, on voit en quelque sorte en trois dimensions. Je regarde le feuillage. Je regarde ce plateau-là. Mon tronc est flou. Je regarde mon tronc. Le plateau est flou. Et cette superposition d'images continuelles, comme ça, à la fois dans le pin ou à l'extérieur, c'est reposant. D'accord. Donc, l'arbre nous procure, l'arbre par lui-même, ainsi que l'arbre dans le jardin. Quand le jardin n'est pas trop planté, ça crée de la sérénité. Ok. Donc l'approche, elle est vraiment de dire, moins on est compact, fermé, plus on suppose ce qu'il y a derrière, autour, et donc on est plus serein dans le mouvement. C'est simplement une constatation. Moi, je me sens bien, je me sens reposé, quand je regarde l'arbre, mais même quand je voyage dans mon arbre, Belle expression. Mais toujours avec l'idée qu'on ne peut pas voir deux images nettes à la fois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que sans le vouloir, quand on observe la nature, il y a des images nettes, des images floues, et ça fait du bien. D'accord. Mais quand vous marchez dans le noir, évidemment, vous ne voyez rien. Ouais. Mais quand vous marchez dans une forêt très, très compacte, c'est la même chose. On est oppressé, on n'est pas bien. Mais dès qu'il y a ouverture et lumière, on se sent beaucoup mieux. Donc le choix des branches, je reviens un petit peu à ce choix d'ouverture. Ouais, du coup, très intéressant. Ça va être justement cette recherche de laquelle va être choisie pour créer la transparence, pour ne pas créer d'ombre sur les autres. Oui, alors c'est pareil, j'ai appris au fur et à mesure des années, je n'ai pas appris ça d'un seul coup. Donc j'ai appris, comme je disais tout à l'heure, qu'en gardant les branches basses et en créant du mouvement au tronc, ça faisait grossir le tronc. Ça, c'est très important. C'est pour ça que ne nous pressons pas à obtenir un résultat tout de suite, parce que vous pouvez très bien avoir un petit arbre
en nuage, ce que j'appelle en nuage, ou ce qu'on appelle en nuage, mais vous aurez un tout petit tronc et ça manque de force. Et l'intérêt, justement, c'est qu'il y ait une certaine force qui se dégage. Donc les branches du bas permettent à cet écorce, voilà. À ce tronc, pardon. Et au fur et à mesure des années, après, à partir, on va dire, 8-10 ans, on peut commencer à enlever quelques branches basses. Donc, ces branches que l'on va garder à la base, on fait en sorte qu'elles soient plus longues. T'es technique, toi. Ah ouais, j'ai envie de faire la même chose. Et plus tu vas monter, plus tu fais en sorte de la contrôler. Alors, pour justement qu'elles laissent la lumière sur les branches du bas, qu'elles n'amènent pas d'ombre, et puis on emmène la plante... Tout à fait, c'est un peu ça. Donc on va dire que l'arbre danse comme ça, vous voyez. Ouais. Et puis après, ce n'est que de la suppression de branches. En fait, on passe pendant 20 ans, on va dire peut-être 15 ou peut-être moins, je ne sais pas, peut-être plus, on passe son temps à supprimer. Avec du moins, je fais du plus. Avec du moins, tu fais du plus. Oui. Pourquoi ? Parce que si je soustrais une branche et la bonne, ça c'est... Après, qui peut dire que c'est la bonne ? Moi, je dis toujours, une branche coupée n'a jamais existé. Ni une branche cassée. Ouais. Ça m'est arrivé d'en casser. Ouais. Et je dis, elles n'ont jamais existé. Avec du moins, je fais du plus. Pourquoi ? Parce que si je supprime une branche, je peux mettre en valeur un autre plateau. Vous comprenez ? Un plateau existant. Et je permets aussi à la lumière d'éclairer le tronc et les branches. Mmh. Donc, vous voyez, je rajoute. Ouais. Et je peux rajouter aussi un peu plus de voyage dans l'arbre. Je rajoute de la transparence, c'est-à-dire je vois les bambous derrière mon arbre. Si je vois les bambous derrière mon arbre, superposition d'images nette et floue, ça me repose davantage. Donc, vous voyez, avec du moins, je fabrique du plus. Ouais. Et donc, une plante comme celle-ci, voilà, 23 ans à peu près. Maintenant, on en est au stade où on taille quand même dès que ça commence à dépasser. Alors, deux types de tailles très importantes. L'éclaircissage en hiver, ça peut se faire toute l'année, mais nous, on le fait l'hiver parce qu'on a le temps. Éclaircissage, c'est-à-dire on ne garde pas toutes les brindilles, puisque chaque brindille produit 3 à 5 bourgeons, donc 3 à 5 pousses supplémentaires au printemps. Donc, l'hiver, on éclaircit un petit peu, on enlève toutes les branches qui retombent, les brindilles, pardon, qui retombent, c'est-à-dire celles qui sont en dessous, qui sont à l'ombre, celles qui descendent, on les supprime, on essaie de garder quand même les branches assez fermes, parce que l'arbre est toujours assez pleureur en vieillissant. Vous voyez là, ça retombe. On pourrait garder tout ça, mais après on s'y perd un petit peu, donc j'essaye de garder quand même une certaine discipline. Donc on supprime ce qui redescend, tout ce qui est à l'ombre. Et puis, au printemps, on fait la taille des nouvelles pousses à partir du mois de mai. Donc, au mois d'avril, les bourgeons vont s'allonger et produire donc des nouvelles pousses qui vont être inégales. Mmh. Donc, il y a une période où il y a des dents de scie, hein, le plateau n'est pas très droit. Donc, au mois de mai, on taille avec... nous, on fait avec des cisailles, parce que des cisailles japonaises assez grandes, pour gagner du temps, parce qu'on en a beaucoup. Mais on peut faire avec des voilà, mon revolver... Ah oui, c'est un bel outil. Ouais. On taille les nouvelles pousses pour les égaliser. D'accord. Et en même temps, on peut, comme on disait tout à l'heure, tiens, si je faisais un nouveau plateau. D'accord. Alors, est-ce qu'il est bien à l'extérieur pour le faire ? Pas trop. On en choisit peut-être une autre. Là, j'avais fait celui-là. Mais on peut peut-être descendre cette branche. Vous voyez, là, je fais un micro-plateau qui me permet d'avoir un peu plus de transparence. Ouais. Voilà, et on continue notre route comme ça. D'accord. Alors après, peut-être qu'il y a des petites brindilles ici à supprimer qui retombent. On les supprime. Donc, on attache là cette petite branche, à la branche du dessous. Celle du dessous. Pendant un an. Et un an suffit. Un an suffit. Pour que la base soit suffisamment rigide. C'est-à-dire que la circulation de sève dans la branche va rigidifier la branche. Il y a des fabrications de nouvelles cellules qui vont rigidifier la branche. D'accord. Ne croyez pas que on peut tout savoir comme ça. On apprend avec l'expérience. Donc, faut faire. Et puis là, la connaissance s'installe. D'accord. Il n'y a pas de crainte de rater quelque chose, je dirais. Non, il n'y a pas de maladie dans le pin sylvestre. C'est ça. Pas de problème. Il n'y a même pas d'insectes. Si, il y a la chenille. Il faut s'en méfier. Il y a une petite chenille. Je ne sais plus son nom. Au mois de juillet, on commence à la voir. Le jour, elles sont là. Et puis, la nuit, elles mangent là.
et puis elles vont se cacher ici. D'accord. Et donc il faut absolument, enfin il faut absolument. Moi je leur demande pardon, mais je les supprime quoi. Je ouais. coupe la petite brindille où elles sont et puis. D'accord. C'est juste une lutte naturelle. Il faut toujours aussi le faire dans le respect, c'est-à-dire que l'animal, il n'a pas demandé, il veut vivre lui. Alors si on les supprime, ben, faut leur dire excusez-moi, je protège mon arbre. Voilà, il faut faire les choses dans le respect. Ouais, exact. Donc on arrive à un aboutissement comme ça. L'aboutissement qui n'est jamais terminé, hein, c'est pas un aboutissement, c'est toujours un chemin. L'arbre va évoluer. Dans 5 ans, il sera encore différent, il sera plus large. Il aura le même cheminement au niveau de son tronc et ses principales branches. Mais il arrive que, quelquefois, je supprime des grosses branches. D'accord. Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir, peut-être à 2, peut-être à 3. On n'est jamais le plus grand maître, ouais. Je dis toujours. Ouais. Le maître, c'est aussi la personne qui est près de nous, nous aider. On a eu un échange à Molévrier, et c'était exactement ça. Il y avait également, il était même à dire à 5-6, c'est toute l'équipe qui est là c'est autour ça. De la plante. Ouais, ouais. Chacun, Didier, c'est ce qu'il dit. Ouais, absolument. Ouais. Chacun ouais. observe la plante, et puis on y c'est va ça. Ensemble. Et c'est vraiment un travail collaboratif. Quoi. C'est ça, c'est très important ouais. pour avancer. Tout le monde a son mot à dire. Et puis quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais on ne fait rien, on attend. Et même soit, on n'est des fois pas d'accord avec nous-mêmes et on attend. Et puis un jour, ouais. on passe à côté, on dit mais bon sang, mais il faut la couper celle-là. Et on la coupe. Pour revenir, tu as évoqué que dans 5-6 ans, la plante va continuer à se développer. Elle est dans un contenant, donc elle est quand même limitée au niveau de son système racinaire. Elle peut continuer dans ce pot-là. Quel entretien faut lui amener? Quel engrais Alors, tu lui amènes? Très, très important cette question parce que la plante a surtout aussi besoin d'eau. Là, on a installé des gouttes à gouttes parce qu'on gagne du temps aussi. Le temps est notre allié. Et bon, bien que on a la patience d'attendre 20 ans pour un arbre comme ça, ou plus de 20 ans, le fait d'avoir un goutte à goutte, c'est aussi, ça permet d'arroser. Moins d'un coup, mais plus dans la lenteur. Oui. Et oui. c'est mieux irrigué au niveau des racines que si on met un seau d'eau et qu'il va passer au travers du bac. Oui. Et on se dit, alors ça c'est très important ce que je dis parce que j'ai souvent remarqué des gens qui disent, ouais, mais mon arbre, je l'ai arrosé 3 fois par semaine. Ouais, mais si on balance un seau d'eau au pied et que toute l'eau passe au travers du pot, de la motte, eh bien évidemment l'arbre ne sera pas arrosé. Donc le goutte à goutte c'est intéressant pour ça parce que la motte s'imbibe bien. Ensuite la nourriture, moi je préfère les nourritures organiques. Oui. Je mets des granulés de fumier à l'automne que je recouvre avec du terreau universel par exemple. D'accord. C'est un autre terreau mais c'est comme le terreau universel. Oui. Et ensuite, au printemps, quand on arrose, évidemment, les petites radicelles viennent chercher, ainsi que les mycorhizes qui se forment au niveau des radicelles, viennent chercher la nourriture. D'accord. Donc, uniquement un apport à l'automne. Oui, oui. Et le pain n'a pas, vous croyez bien qu'il n'a pas besoin d'être très, très nourri. Hein, c'est des plantes de garrigue. Alors, il faut savoir que le pin sylvestre, lui, va pousser de la Sibérie jusqu'au nord de l'Espagne. Ouais. Il y en a dans toute l'Europe. Ouais. Le massif central est couvert de pins sylvestres. Donc on part du négatif au très chaud. Moins 40 plus 40, on va dire, en gros. Okay. D'accord. Donc en résumé, il s'acclimate bien dans des environnements qui peuvent, au niveau système racinaire, c'est moindre. Et il se contente d'un espace qui est relativement confiné. Quoi. Alors moi, je préfère qu'il soit en pleine terre. Parce qu'évidemment, il y a moins de risques. Et puis, un pin n'est pas fait pour vivre dans un pot. Hein. Oui, dans la nature. D'abord, le vrai niwaki, c'est dans le jardin, dans le jardin en terre. C'est ça, c'est une plante de... Par contre, on peut fabriquer des faux bacs, hein, soit des cadres... Jardinières de bois. En béton. Ouais. Et de façon à surélever un peu le pin, c'est plus joli, parce qu'on on est plus près du tronc, donc on voit mieux la base. C'est ça. Donc c'est bien de le surélever un petit peu, ça le grandit aussi. Et le pin va puiser sa nourriture et son eau dans la terre. D'accord. Allez, on va voir maintenant un petit peu l'origine des plantes. On va aller dans le secret de la pépinière. Et en même temps, on traverse ce joli jardin. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Super. Et on va en même temps traverser ce superbe jardin. Par contre, j'ai envie de m'arrêter si on peut aller voir cette petite merveille-là, qui est juste là. C'est le pin.
Parviflora, c'est ça? C'est le pain de blanc de Chine? Oui, c'est le pain blanc du Japon. Du Japon, pardon. Qui s'appelle le Pinus Parviflora pentaphylla, qui est une magnifique variété qui pousse lentement, celui-ci. Il y a d'autres variétés de Pinus Parviflora qui poussent plus vite. Celui-ci, donc, je l'ai greffé en 1995 sur du pain noir d'Autriche. Donc, vous avez une base ici de pain noir d'Autriche. Et ensuite, donc, le greffon qui part ici. Donc, il y a évidemment une diminution du tronc. Mais l'intérêt, c'est de greffer le plus haut possible pour pas qu'il y ait cette partie diminuée ici, hein, qu'on passe directement aux branches. D'accord. Donc, ça, c'est des techniques de greffe. D'accord. Voilà. Donc là, je vois le mouvement. Est-ce qu'on est amené à. Voilà, on laisse la force, là, elle est ici? Non, c'est le devenir, c'est le prolongement. Le prolongement. Voilà. Donc, on va dire que c'est la forme un petit peu main de Bouddha. D'accord. Oui, au Japon. Moi, je trouve ça très doux. Très doux. Le mouvement est d'une grande simplicité. Mm-hmm. Et en même temps, il s'élève vers le ciel. Oui. Tout en douceur. Comme un avion qui s'élève sur l'aéroport. Et donc là, on voit qu'il y a quelques pousses qui sont en train... la tendance est de vouloir réégaliser ou... Alors, donc, je ne suis pas un perfectionniste dans la taille des pins blancs du Japon. Donc, vous voyez, les pousses sont un petit peu inégales. Ça pourrait être un petit peu mieux, mais moi, je l'aime bien comme ça, de façon inégale. Ouais. Je sais que ceux qui font du bonsaï, c'est absolument très droit, très parfait. Bon, ouais, je l'aime bien comme ceci. Cette ondulation est quand même super jolie, hein. C'est fait très naturel. Hein. Et donc, ça se regarde par en dessous, j'imagine. On peut aussi le voir par en dessous. Des fois, pour supprimer quelques brindilles, je regarde par en dessous et j'arrive à mieux lire les petites brindilles qui ne voient pas le soleil. Que l'on retire. Voilà, qu'on peut retirer soit avec les doigts, soit avec, évidemment, les ciseaux japonais. Alors, que j'aime beaucoup, c'est là-bas le... Celui du fond, qui est d'un verre assez précieux à cette époque. Le fait d'avoir mis en plus cette forme. À partir du mois de juillet, on a une luminosité dans ce pain qui est assez impressionnante. Un verre très, très doux et lumineux. C'est le Pinus Densiflora Tagnosho Compacta. D'accord. C'est un pain que j'ai découvert en 1990 et je n'ai pas arrêté de le multiplier par greffage. Okay. Et il fait absolument des très beaux parasols, on va dire, aller de 2 mètres de haut, voire un peu plus, en pleine terre. Et c'est un pain qui devient très large. Et en fait, j'aime bien lui donner l'image qu'on a en Afrique avec l'acacia tortilis. Pour moi, c'est le but, c'est d'avoir un arbre pas très haut, mais très, très large. D'accord. Donc en fait... La recherche, elle est de là, ce qu'on a dit tout à l'heure, on l'a laissé monter, tu as éclairci des branches pour l'aérer au milieu, laisser la transparence. Et puis, est arrivé à un moment donné, maintenant, hop, tu tailles sur le haut, en laissant des plateaux quand même, pour avoir cet effet. Oui, pour des effets de lumière, j'essaye de faire des petits plateaux. Alors, pour faire les plateaux, évidemment, on tire les branches à l'extérieur, on peut mettre une cordelette. Ouais. Et en plus de ça, évidemment, on taille les nouvelles pousses au printemps. Mais cet arbre-là est beaucoup plus taillé pour le rendre transparent. C'est-à-dire que vous voyez, au départ, quand il était jeune, il y avait des branches partout. Oui. Il y avait peut-être 10 branches ici. Oui. Et j'en ai gardé 3. Et ensuite, j'en ai supprimé. Et j'en supprime encore des moyennes. Ça arrive que peut-être cette branche-là, là, vous voyez, qui colle à celle-ci, je vais la supprimer. Et je continue aussi à supprimer des petites brindilles tous les ans en hiver. Parce que le houppier ne doit pas être compact, il doit laisser aussi pénétrer la lumière pour éclairer à la fois, comme je disais tout à l'heure, les brindilles, les branches et le tronc. Ouais. Limite, là, on commence à sentir que c'est trop dense. Quoi. Il y a besoin d'intervenir. Oui, mais tous les ans, il est comme ça. Ouais. On l'éclaircit et il se densifie tous les ans. Donc évidemment. La taille sera pendant la phase automnale On fait tout au printemps parce qu'on n'a pas trop le temps l'hiver, mais ça peut être l'hiver. Mais on pourrait aussi le faire toute l'année. On supprime des brindilles de façon à ce que ce soit pas trop compact. Mais comme j'aime bien profiter aussi de l'abondance du feuillage, qui est très très joli, je l'éclaircis en fin d'hiver. D'accord. Comme ça, bon, on en a profité un maximum. Alors, il a aussi l'avantage, c'est qu'en hiver, l'extrémité devient dorée sur... ça va commencer à l'automne, ça commence tout juste. Sur un demi-centimètre, la pointe de l'aiguille devient dorée.
C'est pas une carence, c'est naturel. C'est naturel et je trouve ça très intéressant que ce pin soit lumineux, couleur dorée en hiver. Excellent. Donc ça, c'est devenu la grosse production, elle est sur ce pin-là. C'est la majorité. Oui, j'en ai beaucoup en production actuellement et puis bon, peut-être que je les vendrai pas tous, mais j'en ai fait beaucoup et puis on verra bien quoi. Hein. On n'est pas là que pour produire, on est là aussi pour faire du beau. Absolument. Et communiquer la passion. Exact. Comme c'est un pain, bah, pratiquement personne ne le multiplie, je trouve ça dommage. Ah oui, c'est... Alors il est multiplié par greffage, celui-ci, vous voyez, d'accord. Je l'ai greffé au pied, et ensuite j'ai évidemment sélectionné... Sur pain noir aussi Celui-ci sur pain sylvestre. Pain sylvestre. Ouais. Et ensuite, donc, on le fait pousser et on sélectionne des branches. Donc, il est moins conduit que le sylvestre, où on met beaucoup de cordes au début. Mmh. Celui-ci, on le fait plutôt éclater. Alors maintenant, je greffe un peu plus haut. Je fais des greffages sur tronc et je donne du mouvement au tronc. D'accord. On va aller voir ça tout à l'heure dans le champ. Allons-y. Et traversons d'abord ce joli parc. Une variété de pin sylvestre, qui est le pin sylvestre Glauca. Une variété à aiguille bleue et très jolie écorce. Oui, C'est un pin à grande végétation, rapide. Un peu plus compliqué pour la Tiny Wacky, parce qu'il a tendance à avoir une aiguille assez grossière et lourde, si bien qu'il a tendance à beaucoup retomber vers le bas. On est obligé de beaucoup tailler pour éviter qu'il retombe. Donc là, la recherche, c'est l'écorce, quoi. Oui, mettre en évidence les écorces. C'est magnifique. Peu d'aiguilles, mais beaucoup d'écorce. Beaucoup de brindilles aussi. Alors, vous voyez l'importance ici, l'importance du mouvement. Donc, ne pas chercher à casser les mouvements, avoir des mouvements... violent, il vaut mieux avoir des mouvements tout en douceur, un peu comme du tai chi, vous voyez, en douceur. Je connais pas le tai chi. J'en ai vu. Mais j'ai trouvé que les gestes étaient très... tout en douceur. Ouais. C'est très important, des mouvements, on va dire, féminins. Et donc, vous voyez, chaque branche est éclairée. Que le soleil, quand le soleil tourne, toutes les branches sont éclairées. Celui-ci, on vient de le mettre en pot au printemps. D'accord. On va continuer à le travailler pendant un ou deux ans. Ça va être une pièce absolument magnifique. Mouvement parfait pour moi. Mouvement très équilibré. Une bonne distribution des branches. Évidemment, il demande à être un peu plus riche au niveau de son feuillage. Mais très vite. Et ça, c'est parce que c'est la transplantation, ça. C'est ça. On vient de le mettre en pot. Alors, la première année, il souffre un petit peu. Actuellement, il fait ses racines. Donc, chaque bout de branche va donner son bourgeon que tu vas tailler avec parcimonie pour que ça continue à densifier ou... Donc on aura très peu d'éclaircissage à faire, pratiquement pas cette année, cet hiver. On va attendre le printemps et là, on va essayer d'unifier les pousses à la taille. Hein, peut-être descendre quelques brindilles, on va voir. Donc, ce pain-là aussi, 23 ans. Ah oui. Alors donc ce pain-là, c'est un Densiflora aussi, c'est un pain rouge du Japon, version naine. Donc c'est un pain qui est né aux États-Unis, dans le New Jersey. Il s'appelle Jen Chris. Alors il a été baptisé par un Américain, je ne sais pas à quelle époque, mais c'est pas très vieux en fait. Alors je ne connais pas l'origine, je ne sais pas s'il est né dans un semis ou alors dans ce qu'on appelle le balai de sorcière. Il arrive que dans un grand pain, d'accord. Un pain rouge du Japon. Ouais. Il peut y avoir un balai de sorcière. C'est des branches qui se nanifient. D'accord. C'est lié à un virus, je pense. Peut-être qu'il y a des champignons aussi, je ne sais pas. Mais ça peut être lié à un virus. Et les branches, au lieu de faire, on va dire, 50 cm, elles vont faire 5 cm. D'accord. Et ça, on voit souvent ça dans les vieux pins. On voit comme un gros nid, comme ça, comme du gui, dans le milieu du pin. Ouais. Donc, ça peut être aussi dans d'autres conifères. Hein. Et donc, on prélève ces branches et on les greffe sur un porte-greffe quelconque, le pin noir, le pin sylvestre, et on obtient une variété naine. D'accord. Alors, peut-être que celui-ci il a été obtenu comme ça, ou dans un semis spontané de pin rouge du Japon. Mmh. On a vu un qui ne poussait pas vite, on l'a mis de côté. Et voilà. Alors, celui-ci, il ne donne pas de pollen. Il est stérile à moitié. Je vais vous raconter son histoire. Parce qu'il m'intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il est joli. Très. Et aussi, donc, il ne donne pas de pollen. Donc, pour les gens qui sont allergiques
Absolument. Au pollen, comme le Tanyoshu compacta, qui dégage beaucoup de pollen pendant une période courte, mais pendant une semaine, ça peut être gênant. Lui, jamais de pollen, donc il n'a pas de fleurs mâles, mais de temps en temps, il a des fleurs femelles. C'est-à-dire des petits grains de, comment on appelle ça, ah, je sais plus le terme. Bref, une fleur femelle. Et donc, cette fleur femelle reçoit les pollens donc, du pin. Oui. Là, donc, comme il n'y a pas de fleur mâle, il ne peut pas recevoir le pollen de lui-même. D'accord. Donc, on peut faire venir du pollen extérieur. Donc, j'ai placé ces pins-là près de pins d'Ensiflora tanyoshu compacta qui avaient du pollen. D'accord. Le pollen a été pollinisé, donc, cette fleur femelle. Donc, j'ai récupéré des graines. D'accord. 2 ans après, parce qu'il faut 2 ans le cycle pour le pin. Et j'ai obtenu un pin qui est différent du tanyoshu et de celui-là. D'accord. Donc, je suis en train de les étudier actuellement. Oui. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Peut-être que ça va être une bonne idée. Peut-être que ça portera quelque chose de nouveau. Et donc, ça fait combien de temps que tu as fait ce test et... Ben, j'ai des pins actuellement qui sont hauts comme ça. Okay. Une culture large comme ça. Très jolie. On voit que c'est différent. Intéressant. Une belle multiplication. À voir ce que ça va donner. Alors après, on leur donnera un nom. Ben oui. C'est ça. Brunelia, c'est pas mal. Non, 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 j'ai une autre idée. Mais... D'accord. Parce que moi, j'ai remarqué quand même que même le petit pin que j'ai obtenu, là, j'en ai plusieurs, ils n'ont pas fleuri. Alors que normalement, un tanyoshu aurait déjà fleuri. D'accord. Donc tu penses qu'il a plus la qualité de celui-là. Oui. Donc il n'aura pas de pollen. Donc ça m'intéresse. Ouais. Ouais. Et par contre, il pousse plus érigé que celui-là. D'accord. Il a pris les deux qualités. Pour l'instant. J'attends, j'étudie. Je m'amuse. Ah bah c'est un jeu de la vie. Hein. Complètement. Jeu de la vie, puis après le jeu de la passion, de la multiplication et de la nature et de l'observation de la nature. Donc, c'est... Sachez que le métier de pépiniériste, c'est un des plus beaux métiers parce que bon, c'est un métier d'observation, bien sûr. Parce qu'on est sans arrêt, ne serait-ce que des parasites. Hein. Ça paraît tout bête, mais on est bien obligé d'observer s'il y a des parasites sur nos arbres. Et puis, on observe la végétation. On est content quand ça pousse. C'est clair. C'est clair. Puis, de regarder le développement. Quand on a une belle plante à l'automne pour la vente, c'est extraordinaire. Absolument. On est content. Et quand on est content de son résultat, ben on vend mieux ses produits. On transmet avec passion. Voilà, d'où l'intérêt de produire ces végétaux. Mieux les connaître. Absolument. Bon, allez voir la production. Allez, voilà, là, on arrive dans le cœur du sujet. Et tout ce travail que tu amènes à tailler tous ces pins. Alors, celui-ci, c'est un pin sylvestre Watereri. C'est donc un pin qui mesure à l'état naturel 7-8 mètres dans un jardin. Mm-hmm. Peut-être un peu moins, un peu plus. Mm-hmm. C'est un pin qui a la forme d'un œuf, qui est très compact, du haut jusqu'en bas. La particularité, c'est qu'il a une très belle écorce dans le jardin. Mais on ne la voit jamais puisqu'il est tellement compact qu'il a souvent des branches jusqu'au sol et on n'arrive pas à voir toute sa beauté qui se situe à l'intérieur. Et je vois que tu maintiens l'écorce à la base, c'est une certaine forte forme de protection. C'est Ah, bonne question. En fait, ce pin-là, je l'ai greffé un petit peu plus haut. D'accord. Ça, c'est l'espèce type de pin sylvestre. D'accord. Et là, on a la variété Watereri. Oh, on ne voit pas du tout le porte-greffe. Enfin, on ne voit pas du tout la non, greffe. Non, c'est toujours la même grosseur. Excellent. Là, pareil, on voit bien, il est greffé un peu plus haut. Alors, des fois, je greffe plus ou moins haut. Des fois, je greffe à la base. D'accord. Là, j'ai greffé un peu plus haut. Et regardez la beauté de ces écorces. Ouais, c'est absolument extraordinaire. C'est magnifique. Ça desquame à cette époque. Ouais. On peut les enlever en les frottant. Hein. Magnifique. L'hiver, on les brosse. On les brosse avec une brosse à fil de même fer poil dur. Métallique en laiton, doucement évidemment. Hein, ouais. Il ne faut pas trop gratter. Mais il ne faut pas le faire au printemps, sinon on les fait, on appelle ça les faire saigner, c'est-à-dire on fait couler la sève, la résine, et ce n'est pas très joli. Ensuite, on va passer, j'appelle ça l'ancêtre de
du pin densiflora que je faisais, c'est le densiflora imbraculiférant que je faisais avant de faire le Tagnocho compacta. Donc on s'aperçoit qu'il a une couleur beaucoup plus foncée, beaucoup moins lumineuse que son cousin, le Pinus densiflora Tagnocho compacta. Une écorce, aussi moins intéressante. Oh si, très bien là. D'accord. Mais là, on ne le voit pas trop. Mais d'accord. Si, des fois, elle est très desquamée. On va en voir tout à l'heure. D'accord. C'est parce qu'il a moins poussé cette année, c'est pour ça. D'accord. Il a moins poussé, mais sinon, il est très beau aussi. Ça, c'est un sujet qui a 20 et quelques années. Très beau, mais manque de luminosité par rapport... voilà, le Tagnocho, vous voyez, qui est beaucoup plus, un vert beaucoup plus doux. Beaucoup plus lumineux. Donc vous voyez tous ces cordages qu'on va enlever là, qui ont été mis au printemps. On va les enlever. Ils ne sont plus nécessaires maintenant. D'ailleurs, je peux faire un essai. Vas-y. On va... Normalement, la branche ne va pas revenir. Elle va peut-être bouger un petit peu, mais... Alors il faut éviter évidemment que... Il faut toujours enlever la cordelette avant qu'elle rentre dans le bois. Oui, pour éviter que ça fasse une... Alors, il y a un petit retour certainement, mais très peu. Ouais, très peu. Voilà, il n'y a plus besoin des cordes maintenant. Alors donc, le but des cordes, c'est toujours la même chose. C'est pour ouvrir le pin quand il est trop compact, trop serré. Ouais. Ça l'ouvre vers l'extérieur. Donc, ça apporte plus de luminosité à l'intérieur. C'est toujours ce que je disais tout à l'heure, pour créer la transparence. Donc celui-ci va être libéré de ses cordes là cette année. On va Est-ce le libérer, que ça sera pour le retendre encore, redonner ? Il se peut qu'au printemps j'en mette quelques-unes, mais souvent très peu. Ouais. Toujours la même chose. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, le Watereri, Sylvestris Watereri, écorce sublime. Ouais. Regardez ce mouvement là. Vous voyez, alors très important aussi. Si vous faites un Iwaki, la chose la plus importante, c'est d'avoir, si vous voulez faire un mouvement fort, faites-le toujours à la base. Et après, vous allez en douceur. Mais jamais, on va dire, droit au départ, puis un mouvement fort après. Ça, d'accord, c'est pas joli. D'accord. Il faut toujours qu'il soit fort à la base, comme si le vent l'avait poussé, mais lui, plus fort que le vent, il se redresse en douceur. Alors, ça veut dire que le pin sylvestris qui était à l'origine, tu l'as emmené couché, tu l'as emmené avec cette dimension-là, ou comme on disait tout à l'heure, un cordage qui l'a guidé, et puis une fois que tu as estimé... Évidemment, quand j'ai donné ce mouvement-là, il était gros comme mon doigt. Hein. Oui, c'est ça. C'était pas possible autrement. Ouais. Vous voyez, j'ai fait ce mouvement-là quand il était dans un conteneur au départ, et puis après, bon, j'ai fait ce mouvement-là en douceur. D'accord. Alors lui, il n'aime pas les cordes, c'est-à-dire que si on met une corde comme ça, c'est pas gagné. Quoi. Ça veut pas dire que il va peut-être se resserrer un petit peu. D'accord. Il n'aime pas trop les cordes. Donc, j'essaye de les conduire simplement par la taille. Wow. Dans l'extérieur. Ça demande du temps. Donc, vous voyez, vous ne verrez pas de cordes dans les pins qui sont derrière. Là, vous ne verrez pas de cordes. Ouais. Parce qu'elles ne servent à rien. Après, on a des plateaux qui sont tournés vers l'intérieur. Ce n'est pas joli. Si je mets une corde, par exemple... Si je mets une corde sur le pin sylvestris ou atterreri et que je l'enlève, bah, l'année d'après, le plateau est comme ça. Ah oui. Ah bah oui. D'accord. Donc il ne faut pas en mettre. Donc c'est plus lent de pousse, en fait, de c'est travail. Lent, c'est lent, mais on finit par gagner avec le temps. Mm. Ceux-là ne sont pas très vieux, ils ont 18 ans. On a quand même un beau résultat au bout de 18 ans. Extraordinaire. J'aime bien les pas très vieux, effectivement, à l'échelle du travail. C'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Alors là, voilà, intéressant. À gauche, le pin densiflora imbraculifera. D'accord. À droite, le Tagnocho compacta. Deux cousins. Je pense que le Tagnocho est issu à l'origine de l'imbraculifera, mais je ne suis pas très sûr. Donc vous voyez la différence de luminosité. Là, on a un vert un peu plus foncé, là, un vert plus lumineux. Ouais. Plus ensoleillé, on va dire. Alors, ce sujet, c'est il est extraordinaire. C'est un pin de lumière. Oh. Donc celui-ci, alors c'est des expériences que j'ai faites, c'est de le greffer sur du pin parasol, Pinus pinea. Oui. Alors je l'ai greffé un peu plus haut, vous voyez. Oui. Mais comme le pin parasol, lui, il a un tronc qui grossit relativement vite,
j'ai obtenu une base très très forte, mais j'en fais très peu parce que la reprise est très mauvaise. C'est-à-dire quand on va le transplanter. Non, c'est quand, maintenant ça va, il est en bac. D'accord. Il va reprendre très bien si je le mets en terre. Mais quand il est dans le champ pour le faire grossir, si on le met dans un conteneur, la reprise est aléatoire. D'accord. Donc j'ai arrêté de greffer sur pin parasol sur Pinus pinea. C'est dommage parce que ça donne un tel volume. Mais c'est presque trop. Je trouve que c'est presque trop gros par rapport à ici. Oui, ouais, mais je trouve que par rapport à ce qu'on recherche... Ce qui est intéressant dans ce pin, c'est que la distribution des branches est très intéressante. Donc là, vous voyez, on a un pin qui est très large par rapport à sa hauteur. Et c'est ça, moi, je trouve intéressant. Je disais que je le compare à la Cassia tortilis en Afrique. Des pins qui sont très sereins par leur amplitude. Alors ça, un pin blanc du Japon... le Pinus parviflora glauca. On a retrouvé le petit qu'on avait tout à l'heure. Celui qu'on avait en bonsaï. Mais ça, c'est version végétation rapide. L'autre, c'était version végétation lente. Ça, c'est végétation rapide. Alors, la nuance ? C'est que celui-ci, il va faire des pousses ça dans l'année, alors que l'autre... Parce que l'autre, c'était le... Le pentaphylla. Pentaphylla. Ouais, ça, c'est le plus le parviflora. D'accord. J'ai mis Pentaphylla, mais c'est plus du Pariflora glauca. D'accord. Mais il est intéressant aussi. Alors, j'ai fait des mouvements. Après, bon, il faudrait être un peu plus minutieux dans sa taille des nouvelles pousses. Mais ça va venir. Toujours. Alors, voilà du sylvestre commun. Le sylvestre type. Les sujets qui ont été mis au printemps, je pense. Non, pas celui-ci. Celui-ci a été rempoté au printemps. Ça, il y a 2 ans. Dans des belles pièces en mouvement. Et là, on va retourner sur le Densiflora gencluis et on voit sa densité. Sa densité. Et ce pin-là, on peut monter sur une branche. Moi, je c'est pèse, vrai ouais, 85 kilos, je peux monter sur une branche en quelques plis. Sans hésitation, quoi. Ouais, j'ai pas envie de me casser une jambe aujourd'hui, mais je le fais régulièrement quand dans le champ de monter sur les branches. Donc si je monte dessus, tu garantis que Allez, je suis parti. Allez, c'est parti. J'ai tellement peur de casser les branches. Direct. Hein. Tu m'assures. Allez. Monte sur la grosse branche. Sur celle-ci. Ouais. Oh là là. Bon, je peux pas faire de l'équilibre dessus. Je peux pas faire le fier, hein, mais c'est impressionnant. Et donc tu le fais pour tailler, c'est-à-dire que quand tu veux venir chercher ici... non, t'as toujours ton escabeau. C'est juste pour le fun. C'est juste pour frimer. Mais une fois, je frimais pas parce que je suis tombé. Heureusement, il n'y a personne. Si, il y avait du monde. C'est vrai ? Oui. On a honte une fois. C'est ça. Et après, tu laisses les invités le faire. Ouais. Elle a un très joli mouvement dans ce pin. Alors, voilà. Donc, ce Densiflora gencluis, lui, je l'ai greffé assez haut. Je l'ai greffé ici, on va dire à 80 cm de sa base. D'accord. Tu l'as greffé sur un pin sylvestre. Je l'ai greffé sur pin sylvestre, sur un tronc, vous voyez. Donc 80 cm, c'est à peu près haut comme ça. Ouais. Donc j'ai couché, quand il était gros comme un doigt, j'ai couché son tronc avec une petite barre de fer, enfin, on va dire un fer à béton. Ouais. De façon à le coucher comme ça et puis le relever. D'accord. Comme si le vent l'avait poussé, mais lui, plus fort que le vent, il se redresse. Excellent. Donc, comme je disais tout à l'heure, fort mouvement au départ, et après, tout en douceur, il s'élève. Jamais le contraire. Jamais droit au départ, puis mouvement fort après. Ouais. Hein? Et donc, c'est donc des mouvements relativement naturels qu'on peut trouver dans un arbre qui a subi des aléas, soit par la neige, le poids de la neige, ou le vent. Et vous voyez que, comme c'est merveilleux, cette main de Bouddha. Là. Ah oui. Alors, c'est un pin qui nécessite un fort éclaircissage. Donc, il ne faut pas hésiter l'hiver d'enlever enlever des petites pousses à l'intérieur. On peut en enlever 1/2 sans problème. Hein. Il y en aura toujours de trop. Surtout celles qui sont à l'intérieur, il ne faut pas hésiter. Hein. Tu dis qu'il y en a toujours de trop parce que ça repousse. Parce que... Là, vous voyez, j'ai taillé au mois de juin, début juin, j'ai taillé. Ouais, ouais. Il est sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est bourgeons. Ça. Donc en fait, à chaque fois... 8 bourgeons, ça fera 8 pouces supplémentaires sur une pousse. Ouais. C'est trop.
Donc, il faut enlever des pousses l'hiver. Donc, on passe beaucoup de temps. Donc là, si on prend l'exemple de ce qu'on a là, on avait la pousse et là, tu as à nouveau tous les, eh oui, voilà, donc, tous les bourgeons qui sont là, quoi. Là, il en est sorti, ça va, il en est sorti 5, mais ouais. Regardez l'épaisseur. Donc après, si on ne le fait pas, ça fait ce que j'appelle du foin, ça fait plein d'aiguilles mortes, oui. Ça fait mourir une partie des pousses et on est un peu perdu après. Mm. Donc il y a des clients qui m'envoient des fois des photos. Ben, je leur dis, nettoyez d'abord les feuilles mortes, faites du grand nettoyage, enlevez le foin à l'intérieur. C'est ça que j'appelle le foin. Qui sont des aiguilles mortes la plupart du temps. Alors, il arrive que le pin se ferme, c'est-à-dire que au départ, il y a un bon espace entre ce plateau-là et ce plateau-là. Mais, vous voyez, la transparence a disparu. Ouais. Et si je continue à ne pas tailler, tout va se fermer. Donc, il faut enlever des pousses basses. La recherche, parce que justement, je me disais, vu son approche en main de Bouddha, on est dans cette... Oui. Est-ce que ce n'est pas une recherche d'avoir quand même juste un même mouvement sans chercher de transparence? On peut. Il y en a qui préfèrent que ce soit qu'une seule langue, comme ça. Chacun ressent la force. Il y en a qui préfèrent avoir des micro-plateaux, comme ça. Je pourrais attacher la branche ici pendant un an et avoir un plateau, deux plateaux, etc. Ouais. Je pourrais baisser celle-ci avec une cordelette pour créer un espace. Ouais. Celle-ci aussi, un peu. Vous voyez, on peut faire plein de choses. On peut aussi baisser celle-ci. Mais essayer d'avoir toujours tous les plateaux ensoleillés. Et c'est ça qui n'est pas évident. Alors, on est obligé à un moment de faire des sacrifices, c'est-à-dire supprimer des branches qui voient moins la lumière, y compris des branches comme ça, de façon à créer de la transparence et que tout le monde soit éclairé, quoi. Et comme je disais toujours, avec du moins, je fais du plus. Puisque je permets à la lumière d'éclairer les branches à l'intérieur. Mais ce n'est pas le pin qui va vous apporter le plus de transparence. Oui. C'est un pin quand même relativement compact. Hein. Et qui n'est pas connu. Densiflora. Je suis le seul. Oui. Enfin, il y en a d'autres qui le produisent certainement, mais je ne les connais pas. Donc, je le produis depuis 1990. Et je trouve toujours merveilleux. Bravo. Alors, donc vous n'en verrez jamais deux avec le même mouvement. Je vais vous en montrer d'autres. Voilà un pin qui dégage aussi beaucoup de force. Là, on le voit par l'intérieur, mais on peut le voir aussi par l'extérieur. C'est clair que des pins comme ça, il ne faut pas les planter en pleine terre. Il faut les laisser surélever. C'est ça. C'est bien de les avoir surélevés. Ou dans des grands bacs, c'est bien. Quand on le voit sur le dos, on voit ces différents plateaux. Oui. C'est marrant parce que, une fois de plus, chacun son ressenti, mais moi je trouve que ce qu'on a vu tout à l'heure d'un même environnement, un même plateau, je trouve ça presque plus joli. Je suis tout à fait d'accord avec d'accord toi. Que de créer les ouvertures comme ça. Merci Pascal, mais commercialement, c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. C'est vrai. Ah. Mais je fais les deux, t'as vu? Bah oui. Parce que là, ce qu'on a vu tout à l'heure, waouh, t'as une mouvement, Je ne suis pas pour trop les arbres en nuages. Je préfère moi les arbres assez naturels et très éclaircis. Mais pour ce pin-là, j'aime bien les mains de Bouddha. Voilà, encore un autre. Très courbé à la base, pareil. Et donc ça, la forme de la barre que tu as pu mettre pour essayer de le guider, donc on a dit la grève 4-5 ans. Et là, tout de suite après, tu mets la barre, que tu laisses quoi? Alors, on a un sujet d'abord qui a 3 ans, un porte-greffe, qu'on appelle un porte-greffe, qui peut être le pin sylvestre, donc c'est le support, c'est la base. Le tronc est droit, il y a du feuillage. Oui. On met un greffon, ça c'est une technique qu'on pratique en hiver, on met un greffon par exemple à 50 cm, et ensuite, quand la greffe est prise au printemps, on attend donc l'automne, et à l'automne, enfin même pas l'automne, au mois de septembre, je mets une petite barre de fer que j'attache avec beaucoup de liens pour éviter que l'écorce soit abîmée. Je mets beaucoup de petits liens en caoutchouc et je courbe ma barre et je courbe le tronc en même temps. D'accord. Donc je fais un fort mouvement au départ. Ouais. Et puis après, le mouvement général peut évoluer selon les pins. Ouais.
Mais au départ, c'est vrai que c'est pas évident. Vous allez en voir des plus jeunes, vous allez voir des mouvements un peu différents. Et donc, tu laisses la barre 5 ans. Et non, la barre, elle reste un an. Un an, waouh, ça suffit pour que tu aies un an et on ne doit pas la laisser plus longtemps parce que les cellules, les liens vont rentrer dans la chair et il ne faut pas faire ça. C'est d'accord. Pas... Donc en un an, les cellules auront suffisamment fait le travail pour. Oui. C'est fantastique. Extraordinaire. Donc vous voyez, une pièce présente dans un jardin qui apporte beaucoup de sérénité et sans pour autant être très haute. Donc ça change des pins sylvestres. Et quand tu les façonnes comme ça, est-ce que tu es toujours à te projeter en disant « Ah, ce serait joli auprès d'un point d'eau, ce serait joli auprès de… » Est-ce que tu y mets également, on a bien compris toute l'analyse de la plante et de sa force, mais après tu te projettes, elle serait belle là, elle serait belle là. Non, parce que ça ne m'appartient pas après. Quand le pin sera vendu, ce sera une autre personne de… Alors nous, après, il faut qu'on passe le message. Donc, je fais des petites vidéos pour que les gens puissent bien les entretenir. Mais moi, j'ai déjà assez de communiquer avec lui pour que je lui dise, tiens, je vais te former comme ça, toi. Puis lui, il va se former d'une autre façon. Il va me dire quelque chose, un autre message. Ah, je préfère être comme ça. Et en fait, c'est lui, la façon dont il pousse, que je l'accompagne après. C'est curieux, c'est lui le maître. Ouais, complètement. Et en même temps, il y a quelqu'un qui va passer, un copain qui va me dire « Ah tiens, tu devrais baisser la branche, là, ce serait bien. » Ben oui. Donc mon collaborateur, il me dit « Tiens, ce serait bien si tu faisais ça. » Ben oui, on va le faire. C'est une communion entre tous et je trouve ça intéressant. Alors après, quand il est vendu, c'est autre chose. Alors je souhaite après que les gens puissent bien comprendre le message, d'où l'intérêt de cette vidéo. Aujourd'hui, pour que bien passer le message, que ce sont des êtres vivants, que quand on part en vacances, eh bien, faut s'assurer que le pin soit arrosé. Parce que souvent, le pin, il vous le dit, mais c'est un peu tard. En fait, il faut pas attendre que l'ensemble des aiguilles soient un peu jaunes comme ça. C'est trop tard. Après, c'est compliqué à rattraper. On y arrive des fois, mais il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Ça, on parle de l'arrosage. Parce qu'en conteneur, si jamais il était en pleine terre avec un... Exactement, en pleine terre. Alors après, s'il n'y a pas le souci de l'arrosage, il y a le souci de bien les tailler, donc créer cette transparence, supprimer... Des fois, je supprime carrément un plateau comme ça. D'accord. Pour avoir plus de transparence. D'accord. Ça, c'est des choix qu'on peut faire. Là, on a des jeunes... Densiflora gentris. Et donc là, ça... Voilà un sujet qui est absolument très couché. Vous voyez, tout est possible, on peut coucher complètement un pin. Après, l'utilisation n'est pas la même. Ce pin-là, on va le mettre par exemple en surplomb, peut-être sur une pierre ou surplomb d'un perron. Et donc, le coucher est totalement volontaire. Oui, totalement volontaire. Je vois celui-ci, il a sa petite corde qui était sur le bord, ça a été pareil pour lui, il a été guidé avec la... Oui, complètement couché, et après lui-même se relève tout seul. D'accord, c'est la nature qui fait... Là, je n'ai jamais encore intervenu au niveau de ses branches, je n'ai pas fait de sélection de branches. L'hiver prochain, on va sélectionner des branches, pour ne pas tout garder, parce que si vous avez trop de branches au départ, quand le pin vieillit, ce n'est pas joli. Par contre, si vous en avez peu, comme ça, c'est beaucoup plus joli. La distribution doit être simple. Il ne doit pas y avoir trop de branches, sinon il y a une espèce de fouillis. Par 3, 5, toujours les... 2, 3. Et le choix va se faire, tu vas rentrer dedans et de là, tu vas choisir... C'est ça. Je vais voir par en dessous aussi, sélectionner 3 branches, 3 jolies branches. Et c'est vrai que ça va faire du vide. Mais comme c'est un pin qui est très dense, tout de suite, ça va se densifier. D'accord. Et après, on recommence l'hiver d'après. Et tu montes petit à petit. Ouais. Je vais tailler une branche. Donc, je vais soustraire une branche pour rajouter de la transparence. Donc, avec du moins, on va faire du plus. Vous voyez. Et donc là, le conseil au client, ce serait de dire, faut continuer comme ça, quoi.
Non, non, faut qu'il sente, lui-même. C'est lui qui va sentir ça. C'est lui-même qui va le construire. C'est ça, et pour ça que la vidéo qu'on est en train de faire, là, elle est plus que parfaite, parce que si j'ai réussi à passer le message, les gens, ça va les aider à construire. Quoi. Oui. T'aurais été utile, Pascal. J'espère. J'espère. Mais il faut que tu viennes couper celle-là, là. Elle me gêne, celle-là. Eh bien, écoute, moi, celle-ci est entrante ici. Tu vois, et je me disais, dans ton approche de... En fait, non, je ne sais pas si ce n'est pas celle-là qui serait retirée. Donc, ça veut dire que c'est trop tôt. Il est possible que l'année prochaine, il faudra en supprimer une des deux. Oui. Hein? Oui. Je pense que... Oui, ouais, absolument, je pense que c'est peut-être celle-là plutôt. Et c'est peut-être... Il ne faut pas se presser. Oui, oui. Mais à un moment, peut-être qu'il faudra en sacrifier une. Par contre, celle-là, là, tu vois, peut-être celle qui est en dessous, là, tu vois, je l'aurais enlevée. Oui, oui. Déjà la petite, là. Oui, oui. Oui. Hop, ça diminue un petit peu l'épaisseur du houppier, et c'est presque plus élégant. Là aussi, il y en a une petite. Mais c'est intéressant de les montrer aussi en culture. Oui. Donc, on voit un pin de 20 ans, là, qui a deux troncs. Donc, intéressant pour celui-là, parce que, vous voyez, le deuxième tronc doit toujours être inférieur au premier, qui est plus haut. Mmh. Si on garde un tronc un grand, évidemment, l'autre, il faut qu'il soit tout petit. Sinon, il ne reçoit pas la lumière. Il n'y a pas concurrence, si vous voulez. S'il y a deux troncs de la même hauteur, c'est comme s'il y avait de la concurrence. Ouais. Et ça, ça crée de la dualité visuellement, et on le ressent à l'intérieur de soi. Il y a une bagarre entre les deux troncs. D'accord. Et on ne doit pas avoir de bagarre. Chacun sa place. Lui, il est petit, c'est comme un humain. Il y a des grands et des petits. Mais tout le monde est important, le grand et le petit. Mais lui, il faut qu'il ait suffisamment de lumière quand même. Donc la partie basse, on doit la placer du côté du sud. D'accord. Pour qu'il reçoive bien la lumière. Si on la met côté nord, il va péricliter, puis le plateau va mourir. Et donc ça, dans le démarrage de la plante, c'est un choix de garder deux branches, plutôt que d'en garder une sur le tronc qui aurait... qu'aurait pris cette place-là, sur un plan esthétique, tu trouvais... C'est intéressant quand ça part de la base. D'accord. C'est intéressant. Ça arrive, comme on peut voir les autres un peu plus loin, il y a des branches qui sont un peu plus hautes. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, que cette tête devra être au soleil... Côté sud, à l'avenir. Mais par contre, à l'avenir, c'est ça. Ouais, parce que là, pour l'instant, la culture, il est comme ça. Il est comme ça. Il n'a pas été bien orienté, mais bon, on fait avec. Et quand on va le sortir pour le mettre dans un bac... Tu ne penses pas que la tête s'est acclimatée un petit peu à long et si on la tourne au soleil, elle ne va pas réagir, non ? D'accord. Aucun risque, c'est rustique. Alors là, il y a encore, comme j'expliquais tout à l'heure dans les bacs, il y a beaucoup de brindilles qui retombent. Donc là, on est qu'on enlève en hiver. Ou des petites malingres à l'intérieur. Hein, celles qui ne voient pas le soleil, on les enlève. Et soustraire, comme je disais, c'est rajouter. Superbe. Bon, et je crois qu'on pourrait parler des heures de ta production, de ce que tu fais. Tu nous résumes en quelques termes le travail des arbres en forme niwaki. Alors niwaki, parce qu'on est au sol, si c'était dans un pot, on pourrait dire bonsaï, mais ils sont destinés quand même à être... Bien sûr. Proche du sol, proche de la terre. Donc, toujours les quatre... terme important, la force, le mouvement, l'équilibre et l'harmonie. Donc, on va dire, ce pain-là rassemble tout ça, les quatre éléments. La force, on l'a par la grosseur du tronc, l'ancrage au sol, et encore, on peut dégager les racines si on veut. Au Japon, on dit nebari, montrer le nebari. D'accord. Donc, le mouvement qui est très, très accentué au départ. Alors, ce pain, il a une histoire, c'est qu'au départ, j'ai voulu... Il y a peut-être un peu plus de 10 ans, j'ai voulu travailler une branche, le tronc, j'ai tiré le tronc a cassé. Et je suis reparti après avec une branche latérale pour continuer le tronc. Et vous voyez le résultat au bout de 10 ans, c'est très intéressant. On va faire le tour pour pouvoir voir le mouvement. C'est un pin qui est en devenir, qui est intéressant pour son mouvement. Quand on a des grands mouvements comme celui-ci... Ouais. On a forcément une bonne distribution des plateaux, des branches, des houppiers. Ouais.
Donc force, mouvement, équilibre, harmonie. Ensuite vient la transparence. Alors pour qu'il y ait la transparence, il faut qu'il y ait des espaces entre les plateaux. Donc on supprime des branches, au bout de quelques années, on supprime des branches basses, pas trop vite, pour que le tronc grossisse bien. Et ensuite, on supprime quelques branches à l'intérieur, qu'elles soient pas toutes au même niveau. Hein. Quand vous avez trois branches qui partent à la même hauteur, c'est pas joli. Ça peut m'arriver aussi. Mais on essaye de distribuer une branche à droite, une branche à gauche. Généralement, la branche que l'on garde, c'est la branche qui va être dans l'extrémité du mouvement. Là, vous voyez, là, on a trois branches. Il faut toujours privilégier celle qui est à l'extérieur, le plus à l'extérieur du mouvement. Ça, c'est plus amené à disparaître. Parce qu'elle est dans l'aisselle du mouvement. Donc, elle va disparaître, d'autant plus qu'elle va être à l'ombre de celle-ci. Ah voilà, donc là, je pense qu'il y aurait des heures à communiquer sur cette passion. Yves, c'est jamais fini. Un grand merci. C'était vraiment un plaisir. Une belle découverte. Voilà, on conclut avec Yves notre thème inspiration qui nous a emmené cet été à découvrir de nombreux jardins, de nombreux jardiniers, d'échanger sur différentes passions du potager au jardin japonais et à des formations de plantes qu'on n'oserait pas et en fait, on le voit bien, qui sont toutes simples. Donc voilà, c'est un beau résumé de ce que l'on a pu vivre ensemble cet été. Je vous retrouve dans 15 jours dans notre jardin où on va continuer à mettre en pratique toutes ces inspirations. À bientôt dans le jardin de Grandifora. Jardinez bien.